إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى nous allons parler aujourd'hui d'une femme illustre, une femme pure dont le récit est resté gravé à travers le temps. Une femme douce, généreuse et féconde, une femme honorable et respectée, une femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour son prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'elle soit pour lui une épouse dévouée et loyale. Cette femme dont même les mots ne sont pas assez nombreux pour en faire l'éloge est Khadija radiallahu anha. Khadija bint Khuwaylid ibn al-Asad ibn Abd al-Uzza. Et son père était donc Khuwaylid et sa mère était Fatima bint Zaida ibn al-Asam ibn al-Haram. Et Khadija radiallahu anha est née 15 ans avant l'année de l'éléphant qui est l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija radiallahu anha jouissait d'une place honorable auprès de sa tribu, que ce soit de par son comportement ou de par son caractère. Sa tribu la respectait et lui donnait une place sans pareille, à une époque où la femme n'était même pas considérée. Elle était connue dans les tribus arabes comme étant une femme pure et généreuse. Et avant de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fut mariée deux fois. Deux fois avec des notables et des nobles de sa tribu, des gens qui avaient un rang élevé auprès de leur clan. Et le premier de ses époux était Abu Hala. De lui, Khadija radiallahu anha a eu deux enfants, Hala wa Hind. Et ce premier décéda et il lui laissa en héritage énormément de biens et énormément d'argent. Après cela, elle se maria avec Atiq ibn A'id al-Makhzoumi. Elle enfanta de lui Abdullah et Jariya. Et ils restèrent ensemble le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils restent ensemble. Puis ils se séparèrent à l'amiable. Et après cette séparation avec son deuxième épouse, Atiq, elle commença le commerce pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Mais comme vous le savez, le commerce, l'achat et la vente ont besoin d'hommes doués d'intelligence et d'expérience, des hommes dignes de confiance. Et puis à l'époque, il fallait se déplacer vers des lieux éloignés pour pouvoir tirer profit de son commerce. Des voyages, été comme hiver, automne comme printemps. Et comment une faible femme comme Khadija aurait pu accomplir cette tâche d'habitude réservée aux hommes? Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui facilita ses affaires et lui assujettit un servant digne de confiance nommé Maysara. Elle lui donna la charge de faire fructifier son commerce et de choisir les bonnes marchandises et les hommes dignes de confiance pour que son commerce se perpétue.
C'est pour cette raison que Khadija choisit Maysara, parce qu'il savait faire les bons choix. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, n'était connu que comme étant une personne véridique, que comme étant connu comme une personne digne de confiance. Et il jouissait d'un haut rang auprès de sa tribu Quraysh. Et il surpassait ses semblables sur tous les points. Et quand il eut le prophète, yani Muhammad, avant la prophétie, quand il eut atteint l'âge de 25 ans, Khadija radiallahu anha le choisit pour accompagner Maysara fi Sham. Et Sham, c'est la contrée qu'on appelle aujourd'hui Jordanie, Syrie, Palestine et Liban. Elle le choisit, pourquoi ? Parce que les gens de confiance avaient conseillé Muhammad à Khadija. Donc elle le choisit pour justement qu'il s'occupe également de son commerce. Mais à la surprise générale, quand Maysara revint du voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revint avant la période prévue. Ils sont revenus avant la période déterminée à laquelle ils devaient revenir. Mais ils sont revenus avec toutes sortes de marchandises et des gains et des bénéfices énormes. Khadija radiallahu anha fut réjouie mais surprise. Et Maysara l'informa sur son voyage avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il informa Khadija de la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses propos et dans ses transactions. Et il informa que Muhammad était une personne qui était vraiment digne de confiance. Et il l'informa également au sujet du nuage qui suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam où qu'il allait et qu'il le protégeait du soleil et de sa chaleur ardente. Et il l'informa également qu'au cours de ce voyage, ils ont rencontré un dénommé Bahira. Et ce Bahira était un ermite qui vivait entre Sham et l'Arabie. Et à un moment donné, la caravane dans laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêtée à une oasis. Et le prophète alayhi salatu wa sallam s'asseya à l'ombre d'un arbre pour se reposer. Et non loin de là habitait cet ermite qui s'appelait Bahira. Et quand il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda à Maysara de le ramener. Et quand il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de plus près, eh bien il informa le prophète alayhi salatu wa sallam qu'il était le prophète arabe attendu et qu'annonce la Torah et l'évangile. Et quand Khadija radiallahu anha entendit ses propos et ses récits que lui avait rapporté Maysara, son cœur s'entrouvrit radiallahu anha. Elle alla voir son cousin Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, qui était un homme qui était resté sur la religion de Isa alayhi salam. Elle lui raconta ce qu'elle avait entendu de la part de Maysara, et Waraqa lui confirma également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le prophète arabe annoncé par Taurah wal Injil, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. À partir de là, Khadija radiallahu anha décida de se marier avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khadija radiallahu anha vit en rêve qu'un énorme soleil descendait du ciel de la Mecque pour s'installer dans sa maison. Sa maison était remplie de lumière à tel point qu'on ne pouvait pas garder les yeux ouverts, tellement la lumière était intense. Et ce rêve de Khadija radiallahu anha fut rendu véridique par l'approbation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par son accord quant à ce mariage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti accompagné d'un de ses oncles pour demander la main de Khadija radiallahu anha en mariage justement à un de ses oncles à elle aussi, qui s'appelait Amr ibn Asad. C'est ainsi, et le plus simplement du monde, qu'ils se marièrent. C'est ainsi que ce mariage béni se déroula entre un homme ayant 25 ans et une femme qui avait déjà 40 ans. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se maria, il allait pour sortir, et Khadija radiallahu anha l'a interpellé. Elle lui a dit: Aina dhahib ya Muhammad, où vas-tu ya Muhammad? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: je vais égorger un chameau ou deux et je vais donner à manger aux gens
et c'est ce qu'il fit sallallahu alayhi wa sallam. Il vécut, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vécut donc avec cette épouse dévouée et loyale qui a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve dans sa maison la tranquillité et le repos, l'amour et l'affection après qu'il eut goûté à la pauvreté et au fait qu'il soit orphelin. Et Khadija radiallahu anha était bienfaitrice avec ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Et elle a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour sans pareil. Elle lui a donné des enfants. Elle lui a donné des enfants, deux garçons. Le premier, Al-Qasim. Et c'est pour cette raison qu'on appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le surnommait Abu Al-Qasim. Le premier, Al-Qasim. Et le deuxième, Abdullah. Et les deux sont morts en bas âge. Et ce Abdullah était aussi appelé Al-Tahir ou Al-Tayyib. Pourquoi ? Parce qu'il est né après l'islam. Yani quand l'islam fut révélé, eh bien il est né à ce moment-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ses descendants garçons ne survivent pas. Et ils sont morts en bas âge. Et elle a eu de lui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, elle a eu du prophète également quatre filles. La plus grande, il la prénommait Zaynab, qui se mariait avec son cousin maternel, Abul As ibn Rubay'a. Abul As ibn Rubay'a. Et Zaynab, c'est la plus âgée des enfants du prophète, alayhi salatu wassalam, et de Khadija, radiallahu anha. Ensuite, ils eurent Ruqiyya, qui se maria avec Utba ibn Abi Lahab. Qui se maria avec Utba ibn Abi Lahab. Et puis qui la divorça, et Uthman ibn Affan l'a pris comme épouse. Et ils eurent la troisième fille, Kalthoum, qui épousa le deuxième fils de Abu Lahab, qui l'a divorcé lui aussi. Et puis quand sa grande sœur Ruqiyya décéda, Uthman épousa Kalthoum. Et la dernière de ses filles, ou de leurs filles, yani du prophète et de Khadija, c'est Fatima, qui fut épousée par Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et qui est la mère de l'Hassan ou l'Hussein, radiallahu anhum ajma'in. Et tous ses enfants, elle les a eus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam, sauf Abdullah. C'est pour cette raison qu'on l'appelait At-Tayyib wa At-Tahir. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut atteint l'âge de 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala le gratifia de son bienfait en lui donnant la prophétie et en l'envoyant en tant que messager à toute sa création. Et il en a fait le dépositaire de cette religion grandiose qu'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se recueillir depuis un certain temps dans la grotte de Hira, qui est une des grottes de Mecca. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une retraite spirituelle à certains jours du mois du Ramadan dans cette grotte. Quand tout d'un coup, il entendit une voix. Quand tout d'un coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit une voix qui lui disait « Iqra, lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma ana biqari, je ne sais pas lire ». Donc, de cette voix est apparu Jibril, qui le serra tellement fort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru qu'il allait étouffer. Et quand il le relâcha, il lui redit « Iqra ». Il lui dit « Ma ana biqari, je ne sais pas lire ». Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Il ne savait ni lire, ni écrire. Donc, l'ange le ressaisit une deuxième fois et le serra tellement fort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait qu'il allait mourir et que son âme allait sortir. Et quand il l'a lâché, eh bien l'ange lui dit « Iqra ». Il lui redit une fois « Lis ». Et à ce moment, il lui a dit « Mais qu'est-ce que je vais lire ?» Alors Al-Malak lui a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. Et ceci ont été les premiers versets révélés par Allah subhanahu wa ta'ala à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, lis au nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur, c'est lui le très noble, celui qui a appris par la plume ou qui a enseigné par la plume et qui a enseigné à la personne ou à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, l'homme devient de plus en plus rebelle. Et donc ceci furent les premiers versets révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les lut, eh bien Jibril disparut de devant lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était effrayé et apeuré, et il a atteint un degré de peur qu'on ne peut même pas décrire par les mots. Il est parti se réfugier chez son épouse douce et compatissante, Khadija, radiallahu anha wa ardaha, qui était dévouée et loyale, alors qu'il était en train de trembler de tout son corps. Il est rentré dans la maison, il a dit « Zammilouni, zammilouni », c'est-à-dire « Enveloppez-moi, enveloppez-moi ». Et donc cette épouse qui était Khadija, cette épouse compatissante et généreuse et douce et loyale, l'a accueilli et l'a enveloppé et lui a raconté qu'est-ce qu'il s'était passé. Et il lui a raconté qu'est-ce qui s'était passé. Après lui avoir raconté ce récit, eh bien, Khadija radiallahu anha lui a dit: je t'annonce la bonne nouvelle, ô fils de mon oncle, Ibn Am. Je t'annonce la bonne nouvelle et sois ferme par celui qui détient l'âme de Khadija entre ses mains. Par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne te fera jamais de tort. Pourquoi? Parce que tu ne coupes pas les liens de parenté. Parce que tu es véridique quand tu parles, parce que tu aides le faible et parce que tu donnes aux démunis et tu soutiens la cause ou les causes de bien. Et après que Khadija radiallahu anha eut raffermi le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses paroles, elle alla voir Waraqah, son cousin. Elle alla voir Waraqah, son cousin, pour l'informer de ce qui venait de se passer. Et il lui dit, Waraqah répondit à Khadija, après qu'elle lui informait de ce qui s'était passé ou ce qui arrive à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: celui-là est le Naqus. Naqus qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Moussa, c'est-à-dire le messager qui est mentionné dans At-Tawrah. Et Waraqah de rajouter: qu'est-ce que j'aurais voulu être plus jeune, qu'est-ce que j'aurais voulu être vivant quand ton peuple te chassera. Et ça, ces paroles, elles étaient pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wasallam fut étonné quand Waraqah dit cela. Il dit: est-ce que eux, ils vont me sortir? Et il fut étonné. Alors Waraqah lui dit: na'am, oui, personne n'est venu avec une chose comme la tienne sans que son peuple ne l'ait combattu. Et si je vis jusqu'à ce jour, justement, où ton peuple te combattra, eh bien je te donnerai la victoire. Mais Waraqah ne vécut que peu de temps après cette nouvelle, après que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait donné la prophétie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala reprit l'âme de Waraqah. Wa ibn Ishaq rahimahullah a dit: Khadija radiallahu anha est la première qui a cru en Allah et en son prophète, et elle a cru en ce qui a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle a assisté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par sa cause Allah subhanahu wa ta'ala a diminué la détresse du prophète alayhi salatu wa salam. Il se faisait insulter et traiter de menteur quand il invitait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. Et tout cela le rendait triste. Tout cela rendait triste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il rentrait chez Khadija radiallahu anha, elle le raffermissait et elle allégeait sa peine sallallahu alayhi wa sallam. Wal Bayhaqi
rahimahullah, a dit, la première personne de cette communauté à être rentrée en islam est Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha wa ardaha. Wa Khadija radiyallahu anha a accueilli cette religion à cœur ouvert. Et elle est la première à avoir su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être envoyé à toute la création. Elle est restée debout aux côtés de son mari, et cela dans les moments les plus rudes et les plus difficiles. Elle est restée debout avec la plus grande force et la plus grande vigueur, même au moment où les tribus de Quraysh ont décidé de couper les liens avec les Beni Hashim ou Beni Abdel Muttalib, qui sont les tribus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les autres tribus ont décidé de couper les liens avec la tribu de Muhammad à cause de ce que disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ce que disait et à cause à ce quoi invitait Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et donc ils ont placardé une feuille qui informait les gens que toutes les tribus de Quraysh avaient coupé les liens avec les Bini Hashim. Et tout ça à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Khadija radiyallahu anha est restée auprès de son mari, supportant et endurant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut avec elle des années de persécution difficile. Elle dépensa radiyallahu anha tous ses biens ou tous les biens qu'elle avait dans la propagation de l'islam. Elle délaissa son commerce malgré son âge avancé, et elle patienta et endura tout en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette religion grandiose qu'est l'islam. Et ceci n'est pas étrange de sa part, radiyallahu anha. Pourquoi? Parce qu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu effrayé et épouvanté de la grotte de Hira, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, moi je te réponds, appelle-moi avant d'appeler quiconque, avant d'appeler quelques personnes, appelle-moi moi, je suis soumise à toi, je crois en ton message et je suis certaine de l'existence de ton Seigneur, radiyallahu anha wa ardaha. Comme on l'a dit, Khadija est considérée comme la première personne à être entrée en islam, et ceci de par le consensus des savants de cette communauté. Personne ne l'a précédée quant au fait d'entrer en islam, ni un homme ni une femme. Et il est resté, radiyallahu anha, une épouse dévouée et fidèle et loyale à son mari. Elle a atteint un haut degré et un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point que Jibril alayhi salam venait lui passer le salam de son Seigneur, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il rapportait d'après Abi Zar'a, qui dit qu'il a entendu Abu Huraira radiallahu anhu dire, Jibril est venu un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, yani Jibril dit au prophète alayhi salatu wa sallam, Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, il y a Khadija qui arrive et qui va rentrer dans la maison avec une assiette de sauce ou de nourriture ou de boisson. Quand elle entrera, passe-lui le salam de son Seigneur et le mien, et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison au paradis faite de perles creuses pour qu'elle y demeure éternellement sans vacarme et sans fatigue. Et qu'est-ce qu'elle a répondu Khadija radiallahu anha quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui passa le salam de son Seigneur et de Jibril? Elle répondit, c'est lui le salam, et de lui le salam, et sur Jibril le salam. Radiallahu anha wa ardaha. Et quand Khadija radiallahu anha décéda et fut rappelée par son Seigneur, elle resta vivante dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se rappelait sallallahu alayhi wa sallam constamment son image et ses faits glorieux quand elle a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments difficiles de toutes ses forces. Aucune heure ne pouvait passer sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se rappelle et ne fasse l'éloge de Khadija radiallahu anha wa ardaha. Aïcha radiallahu anha dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Khadija, il ne se lassait jamais de faire ses éloges. Il ne se lassait jamais de faire ses éloges.
et il implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. Et il se rappela d'elle un jour, et ça c'est Aïcha radiallahu anha qui dit, et il se rappela de Khadija. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour se rappela de Khadija, et Aïcha fut prise de jalousie. Et elle dit au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala t'a échangé une femme âgée par moi qui suis plus jeune. C'est-à-dire oublie-la, oublie Khadija. Allah Azza wa Jal, il t'a échangé une femme jeune contre une femme âgée, oublie-la. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère, comme jamais il ne se mit en colère. Et ceci est rapporté par Aïcha radiallahu anha, à tel point, comme elle dit, que sa peau allait tomber, que la peau de Aïcha, tellement elle a eu peur de la colère du prophète alayhi salatu wassalam, elle allait tomber. Alors qu'est-ce qu'elle a dit en elle-même à Aïcha? Elle a dit, Seigneur, fais partir de lui cette colère. Et si tu fais partir de lui cette colère, je ne recommencerai plus jamais à l'invoquer en mal. Quand il a vu dans quel état elle était, yani quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans quel état était Aïcha radiallahu anha, il lui dit, qu'as-tu dit de Khadija? Qu'as-tu dit de Khadija? Par Allah, elle a cru en moi alors que les gens m'ont traité de menteur. Elle m'a donné refuge alors que les gens m'ont repoussé. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné d'elle des enfants alors qu'il ne m'en a pas donné de vous. Et Aïcha radiallahu anha dit, pendant un mois, quand il entrait et il sortait, il me disait la même chose. Pendant un mois, quand il entrait et il sortait, il me disait la même chose. Voyez comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Khadija et n'aimait pas qu'on l'évoque en mal. Et comment l'évoquer en mal, radiallahu anha, vu l'apport qu'elle a donné à l'islam. Et Aïcha radiallahu anha dit, je n'ai jamais été autant jalouse d'une femme plus que Khadija. Parce que j'entendais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'évoquer en bien, alors qu'il ne m'a épousé que des années après sa mort. Et son Seigneur, yani le Seigneur de Muhammad, a ordonné à Muhammad d'annoncer à Khadija qu'elle avait une maison au paradis faite de perles et qu'elle y demeurerait éternellement. Et pour cette raison, Aïcha était jalouse. Et Aïcha radiallahu anha a dit également, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifiait des moutons, il en envoyait une partie pour les amis de Khadija radiallahu anha. Et elle dit également, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifiait des moutons, il disait, envoyez-les aux amis de Khadija. Alors Aïcha radiallahu anha, quand elle entendait ça, elle disait, mais pourquoi est-ce que tu fais cela, ya Rasulallah? Pourquoi est-ce que tu envoies, eh bien, des parties de viande ou des morceaux de viande aux amis de Khadija alors qu'elle est décédée depuis des années? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait, j'aime ce qu'aimait Aïcha, j'aime ce qu'aimait Khadija radiallahu anha. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des femmes est Khadija, la meilleure des femmes est Maryam bint Imran. Et Waqi' radiallahu anhu, en montrant les cieux et la terre, a dit, la meilleure des mères des croyants est Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha wa ardaha. Et Khadija fait partie des meilleures femmes du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il te suffit de savoir que les meilleures femmes de l'univers sont Maryam bint Imran wa Khadija bint Khuwaylid wa Fatima bint Muhammad wa Asiya imra'at Fir'aun. Il te suffit de savoir que les meilleures femmes de l'univers sont celles-ci. Et après avoir vécu avec cette épouse dévouée et loyale pendant 25 années ou 25 années durant, dans la joie et la tranquillité parfois et la difficulté souvent, et elle raffermissait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les épreuves, et elle est restée debout avec lui à le soutenir à tout moment. Et radiallahu anha, elle est son épouse ici-bas et dans l'au-delà. C'est elle l'épouse pieuse, pure, et qui n'était connue que par sa sincérité envers son Seigneur,
par sa fermeté dans sa religion, par son espoir à toute épreuve, par l'éducation parfaite qu'elle a inculquée à ses enfants, par son obéissance à son Seigneur sans limite, et par son obéissance à son époux, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle était connue également par le fait qu'elle préservait sa maison et le secret et les secrets de son mari. Et après ces années passées aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, passées par des moments doux et mielleux et d'autres plus amers, elle tomba malade radiyallahu anha wa ardaha, alors qu'elle avait atteint l'âge de 65 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, en avait 50. Et il ne s'est jamais marié avec une autre qu'elle du vivant de Khadija. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais n'a épousé une femme alors que Khadija était vivante. Et ceci montre l'importance et le haut degré qu'elle avait dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala rappela l'âme de Khadija à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut affligé. Et il pria sur elle, et ceci se passa avant la hijra, c'est-à-dire avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fasse l'émigration de la Mecque à Médine, c'est-à-dire qu'elle mourut à la Mecque 3 ans avant la hijra. D'autres disent 4, d'autres disent 5. El Muhim, c'est qu'elle est morte avant la hijra. Et elle fut enterrée à Al-Hajoun, qui est une montagne sur les hauteurs de la Mecque, près des habitations de sa tribu, près des habitations de la tribu de Khadija radiyallahu anha. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui descendit dans sa tombe et qui l'a mis dans sa tombe, et ses yeux étaient remplis de larmes quant à cette séparation, quant au fait qu'il allait se séparer de cette épouse pieuse, pure, généreuse, féconde, douce et loyale. Il fut tellement triste qu'il appela cette année l'année où Khadija radiyallahu anha décéda, l'année de la tristesse, Amul Huzn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette séparation, resta un époux dévoué à Khadija radiyallahu anha, même après sa mort. Et il faisait ses éloges comme il n'en faisait à personne. Et il ne pouvait sortir de chez lui sans évoquer Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Aïcha radiyallahu anha dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua Khadija et je fus prise de jalousie. Et je lui dis, ce n'est qu'une vieille femme et Allah subhanahu wa ta'ala te l'a remplacée par moi qui est plus jeune, ce qui est mieux pour toi ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerva et dit à Aïcha radiyallahu anha, Allah ne m'a jamais donné mieux. Allah ne m'a jamais remplacé Khadija par mieux. Elle a cru en moi alors que les gens m'ont renié. Elle m'a cru alors que les gens m'ont traité de menteur. Elle m'a cru alors que les gens m'ont traité de menteur. Et elle m'a associé à ses biens alors que les gens m'ont interdit leur argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné des enfants d'elle. Je dis alors, et Aïcha dit alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, je jure ou je ne parlerai plus en mal d'elle après ce jour-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'épousa personne de son vivant. Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète n'épousa aucune autre femme jusqu'à ce que Khadija ne décède. Et Aïcha radiallahu anha a dit, je n'ai jamais été plus jalouse d'une femme que de Khadija alors que je ne l'ai jamais vue, tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Khadija en bien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait les éloges sur elle, et il sacrifiait un mouton, ensuite il le coupait en morceaux et l'envoyait aux amis de Khadija radiallahu anha. Et Aïcha radiallahu anha a dit, on dirait, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dirait qu'il n'y a que Khadija sur cette terre. On dirait qu'il n'y a que Khadija sur cette terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle lui disait cela, il lui disait, Khadija était comme ceci et elle était comme cela, et il lui faisait ses éloges sans relâche sallallahu alayhi wa sallam. Telle était Khadija radiallahu anha, l'épouse de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, une femme pure, pieuse, digne d'être prise en exemple par les autres femmes pour sa dévotion envers son Seigneur et envers son mari et son comportement illustre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
l'agré, innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi wa salli allahumma ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.